Bienvenue sur le plateau des chiffres et des lettres, où c'est une bonne journée avec, avec Yvette. Voilà. On va retrouver aujourd'hui Monsieur Florey, Monsieur Dubois, où en est le score Yvette? Vous tenez les comptes. Oui, il y a 32 points pour Monsieur Dubois et 46 points pour Monsieur Florey. Et c'est Monsieur Florey qui va recommencer à jouer. C'est Monsieur Florey qui va jouer dans quelques instants avec Arlène. Monsieur Florey qui mène d'une courte tête. Il y a eu quelques erreurs faites sur des tirages de lettres la dernière fois, notamment avec Comparu. Comparu, oui, qui était fatal. C'était intransitif. Oui. Voilà. Monsieur Florey, vous allez bien? Je vais bien, oui. Toujours. Bon. Je rappelle que c'est votre quatrième match. Oui. Déjà 3 victoires. Oui. Et face à vous, un autre nordiste, Monsieur Dubois. Oui, qu'est-ce que vous faites dans le Nord? Je travaille. Vous travaillez? Mais quel genre de travail? De gestion de personnel. Oui. C'est-à-dire, vous travaillez sur le tunnel sous la Manche, c'est ça? Enfin, je travaille pas dessous, je travaille au-dessus. Moi. Vous travaillez au-dessus et vous gérez les gens qui travaillent en dessous. Voilà, exactement. C'est bien ça. Exactement. Très bien. Il y a combien de personnes qui travaillent Moi, j'en gère à peu près 700, 800. Ah oui, effectivement. Mais enfin, il y en a d'autres. Hein. Oui, oui. Vous avez visité le chantier un peu? Vous êtes allé en dessous? Oui, oui, bien sûr. Oui. Je suis une fois. Enfin, j'ai fait un petit kilomètre à l'intérieur. Ah, oui. Parce que pratiquement rien vu, d'ailleurs. Quand on a vu un kilomètre. J'ai pratiquement rien vu, mais bon. Oui. Vous n'êtes pas claustrophobe? Non, pas du tout. Non, ça va. Non, non. Non, il vaut mieux. Très bien. Monsieur Florey, c'est vous qui allez poursuivre ce match avec Arlène pour commencer. Alors, première. Première. Troisième. Troisième. Et première. Et deuxième. 6, 7, 9, 5, 75, 100. Monsieur Florey. Le compte est bon? Oui. Alors, 5 fois 100, 500. 500 plus 75, 575. 9 moins 7, 2. 6 et 2, 8. 575 moins 8, 567. 575 moins 8, 567? Oui. Très bien. Les lettres, Monsieur Dubois. Consonne. N. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. R. Voyelle. A. Consonne. F. Voyelle. E. Consonne. D. Et voyelle. I. Monsieur Dubois. Fixette. 8. Freuden. Freuden. Elles peuvent être au. Alors, ah oui, c'est vrai, une Freuden. Freuden, oui. On va vérifier quand même. Comptez Freuden. Il y avait défiance aussi. Freuden, oui, tout à fait. Oui, Freuden. Une Freuden. Aucun problème. Ça vient d'être méchant en ancien français, pourtant ce. Ça a pris un sens très atténué maintenant. Quel était le sens en ancien français de Freuden? Ben, ça vient méchant, de méchant. Mauvais, scélérat. Freudin. Mm-hmm. Il y avait déraciné également. Mm-hmm. Ou défiance. Mais déraciné. Pas défiancé. Je pensais que défiancé, rompre ses fiançailles, ça pouvait exister. Après tout, pourquoi pas? Ben oui. Hein, pas toi. Puisque ben démarié existe. Puisque démarié existe, défiancé pouvait exister. Bien non, ça n'existe pas. 62 à 32. Monsieur Florey mène ce match. Je vous écoute, Monsieur Florey, pour les lettres. Alors, consonne. Q. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. S.
Voyelle. U. On sonne. T. Voyelle. A. On sonne. F. Et voyelle. O. Monsieur Fleuret, vous nous dites 7. Pas mieux. Fonto. 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 C'est quoi, Fonto? Vous n'avez pas l'air trop sûr non, de pas vous. Du tout. Non, oui, hein. Je vous sentais, je sentais une certaine hésitation dans la voix. Pas très sûr non plus chez nous. Non. Non. C'est attendez, vous l'écriviez, vous l'écriviez comment? Avec un E, E-A-U. Oui, ça ne change rien. Ça ne l'est pas. Pas plus T-A-U que T-E-A-U. Non. Alors, que dit la petite machine? C'est l'occasion de la consulter. Nous la littérette nous donne deux mots de cette lettre uniquement, fusante et soutane. Ah oui. Et oui, la soutane. Là, oui, tous les deux, vous êtes très compréhensibles. Ah oui. Bon. Très bien. Heureusement qu'il y en a là. On va continuer avec les lettres. C'est bien ça, Yvette. Non, les chiffres, non, c'est Laurent. Les chiffres, voilà. C'est bien changé sous voilà. Mes yeux. Les chiffres avec Arlène. Monsieur Dubois, c'est vous qui parlez. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. 4, 5, 8, 9, 4, 10. Monsieur Dubois. Alors le compte est bon. 8 fois 10, 80. Plus 9, 89. Plus 4, 93. Et multiplié par 5, 465. Oui, très bien. Très bien. 62 à 47, les lettres, monsieur Fleuret. Consonne. D. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. G. Voyelle. E. Consonne. T. Voyelle. I. Consonne. M. Et voyelle. A. Monsieur Fleuret. J'en ai que 7. C'est pas mieux. Maudite. Mm-hmm. Maudite. Ouais. Oui, c'est nous qui le sommes parce qu'on avait l'impression qu'il y avait 8 lettres et puis non. Vraiment. Vous l'avez cherché en vain, ce 8 lettres. Oui. Il n'y était pas la littérette, elle n'a pas trouvé non plus. Suzanne et puis je n'ai pas trouvé. La littérette l'a cherché en vain. Bah oui, elle aussi, elle est au même point que nous. 11, 7 lettres, mais pas de 8 lettres. Voilà. Donc le 8 lettres ne devait pas exister. Monsieur Dubois, je vous écoute. On sonne. S. Consonne. D. Voyelle.
E. Consonne. Z. Voyelle. I. Consonne. L. Voyelle. U. Consonne. R. Et voyelle. E. Monsieur Dubois. Sept lettres. Pas mieux. Délire. Délire, oui. C'est pas le délire, hein, je vous le dis. Il y avait résiduel. Non, c'est pas un rêve. Je ne rêvais pas. Un rêve. C'est un mot pour vous, Laurent. Résiduel. Vous en parlez souvent dans la météo. Oui, c'est bon. Les orages résiduels. Tout ce que oui. Ah oui, les orages, ça fait presque un mois hein, que se sont abattus sur le niveau de la France. Malheureusement, on a été tourné en orage cette année, c'est vrai ça. Très bien, un tirage de lettres encore pauvre. Hein. Ben non, puisqu'il y avait 8 lettres. Il y avait 8 lettres, oui, avec résiduel. 8 lettres, 8 lettres avec un Z, c'est bien. Avec un Z. C'est difficile ce garçon. Non. C'est bien difficile, ça doit être ça. Bientôt il va demander 11 lettres, vous allez voir. Monsieur Fleuret, vous jouez avec Arlène. Alors, première. Première. Troisième. Première. Et première. Et encore première. 10, 2, 50, 25, 5, 9. Six cent soixante-quatorze. Monsieur Fleuret. Le compte est bon ? Oui. 50 plus 25, 75. 75 fois 9, 675. 5 fois 2, 10. 10 divisé par 10, 1. 675 moins 1, 674. Oui, vous avez fait comme il fallait faire. Très bien. Monsieur Fleuret conserve son avance 77 à 54. Monsieur Dubois, joue avec les lettres. Consonne. V. Consonne. S. Voyelle. O. Consonne. N. Voyelle. E. Consonne. G. Voyelle. I. Consonne. B. Et voyelle. A. Monsieur Dubois. 8 lettres. Pas mieux. Bégonia. Bégonia. Ah oui, Bégonia. Et c'est un prénom en Espagne, Bégonia. Ah bon ? Oui. C'est la saison, non ? C'est la saison. Ah non, les Bégonias, c'est au printemps, les plantes au printemps, et puis ça dure tout l'été. Oui. C'est sûr. C'est notre Nicolette, la jardinière. Et ça vient de Bégon, un monsieur Bégon qui était intendant général de Saint-Domingue. Voilà, et puis j'ignorais l'expression charrier dans les Bégonias. C'est quelqu'un qui exagère. Ah bon? Oui. Yvette, moi, je connaissais pousser dans les bégonias, oui, mais chercher les bégonias.
Oui, non, c'est poussé, c'est poussé dans les orties. C'est poussé mémère dans les orties, c'est pas poussé mémère dans les bégonias. Et c'est charrié mémère dans les bégonias. Alors, bégonia tubéreux ou bulbeux? Je préfère charrier. Attention, on fait pas pareil. Ça serait mieux. Ariel, doctoresse bégonia. Vous avez l'air de vous y connaître. On a Michel Lys sur la chaîne qui est parfait en jardinier. Le connaisseur. Oui. Monsieur Fleuret, je vous écoute. Alors, consonne. N. Consonne. T. Voyelle. U. Consonne. M. Voyelle. I. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. S. Et voyelle. O. Monsieur Fleuret. J'en excepte. Oh, 8. Hein. Avec mucosité. Mucosité. Oui. Très bien. Je vous applaudis, ça. Mucosité, bravo. Bien sûr. Ne soyez pas avoir un applaudissement. Vous apportez une définition exacte de la mucosité? Ce sont des sécrétions, des muqueuses, dont on parle particulièrement dans la mucoviscido, vous savez, bien cette sûr. Maladie génétique bon, qui touche beaucoup d'enfants. Voilà. Très bien. 77 à 70, ça va être le dernier coup de chiffre. Monsieur Dubois. Première. Première. Deuxième. Quatrième. Troisième. Quatrième. 75, 4, 1, 2, 3, 100. Monsieur Dubois. Alors le compte est bon. Je vous écoute. 2 x 4, 8. x 75, 600. 100 moins 1, 99. 99 divisé par 3, 33. Ah, très et 600 joli. Plus 33. Très bravo. Joli. Belle fin. Bravo. Bravo. Je ne suis pas surpris, c'est un tour de vie. J'ai vraiment cru que j'allais rester. Quel match. Bravo, c'est une remontée formidable. Quel match. Victoire de Monsieur Dubois. À l'arracher. Ouais, il y a deux, trois coups où on... bon, il y avait toujours une possibilité. Cela dit, vous avez fait une formidable remontée grâce à Mucosité. Et puis à ce coup de chiffre, M. Dubois, bravo. M. Fleuret, vous êtes resté avec nous durant quatre matchs, ben oui. Trois victoires. Mmh. Ariel vous offre quelques cadeaux. Oh oui, il n'aura pas trop de chagrin parce qu'il voulait la littérette. Oui, alors, voilà. Il m'a dit, si je perds, je suis content, j'aurai la littérette. Oui. Voici déjà la boîte des chiffres et des lettres, le journal des chiffres et des lettres, mmh. Le pins et la montre et... la littérette. Peut-être une petite déception, un peu déçu, mais je savais qu'il était très très fort et j'ai bon. Ça peut continuer. En tout cas, messieurs, vous nous avez offert peut-être un jour un superbe spectacle et un très très beau match. Merci beaucoup, monsieur. Et je voudrais saluer ma famille également. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Fleuret. Bon retour dans le Pas-de-Calais. Monsieur Dubois, encore une fois, bravo. On vous retrouve la prochaine fois. Très bonne fin d'après-midi à tous sur France 2. Au revoir et à bientôt.